Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous passez un début d'automne très 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 agréable, que tout se passe pour le mieux pour vous. Je reviens vers vous pour vous proposer les guidances du mois de novembre. Alors, on va voir quel signe va être cette guidance. Ah ben, vas-y, je retourne, on va faire celui-là. Ah, donc nous allons faire nos amis Verseau. Alors, est-ce qu'on voit là, on va mettre comme ça. Voilà. Allez, pour les Verseaux. Donc, on va voir quelle énergie va vous accompagner pour le mois de novembre. Verseau. Merci les guides. Donc, Verseau, ascendant Verseau et signe lunaire en Verseau. Les guides. Pour les Verseaux. L'énergie. Hop. Alors. Vous allez être dans une énergie de création, hein, de créativité. Vous êtes en train de construire vos projets. Vous êtes en train de faire des plans sur la comète, comme on dit. Donc, vous mettez en œuvre, vous prenez les outils, vous êtes en recherche, voilà, vous êtes en train de peaufiner, de potasser. Et on voit bien, hein, elle est enceinte, elle attend un heureux événement. Donc, voilà, vous êtes en train de préparer, voilà, de bichonner, de préparer, de mettre en route vos futurs projets. Donc, que ce soit professionnel, ça peut être sentimental, voilà, ça peut être un départ dans une nouvelle région, une vente de maison, achat, enfin voilà. Vous êtes en train de mettre en projet pour vous les Verseaux. Ça peut être des projets aussi sur du long terme, hein, on est d'accord. Pour quelque chose de mieux, hein, vous êtes vraiment dans une notion de positivité, de changement, hein, de bonheur. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire d'autre? C'est comme si vous allez moissonner, en fait, hein, vous allez récolter ce que vous êtes en train de semer. Donc voilà, donc vous mettez en récolte. Vous êtes en train de préparer toutes vos petites graines pour que votre récolte soit bonne. Ça peut être aussi que vous attendiez un heureux événement. Hein. Donc pour certaines femmes Verseau, vous allez donc tomber enceinte ou accoucher prochainement, d'accord? Devenir maman ou devenir grand-mère, c'est aussi, ça peut être ça aussi. Il y a une notion aussi de maternité, hein, de profiter aussi de sa famille, de ses enfants. C'est peut-être aussi un mois où il va y avoir les vacances scolaires. Non, on est à la fin des vacances scolaires pour novembre. Mais c'est peut-être un mois aussi où vous allez vous retrouver en famille, aller voir vos enfants, tout ça. Il y a ce contexte d'avoir envie peut-être de resserrer les liens de douceur, de maternité. Ok? Je vais vous la mettre dans le bon sens. Voilà, on va voir. Allez. On va faire comme ça. On va voir donc avec le tarot des archanges. Donc pour les Verseaux, merci les guides, pour les Verseaux pour novembre. Verseaux, le mois de novembre, ben, ça saute. Eh ben, allez, pourquoi pas. Soyons fous. J'aime bien cette expression. Allez, on vous parle du 2 d'Ariel pour trouver votre équilibre. Vous devez trouver un équilibre, courir plusieurs lièvres à la fois et rendre tout travail plus agréable. Donc vous vous retrouvez, voilà, dans vos projets. Pour pouvoir améliorer les choses, peut-être que vous devez mettre en œuvre d'autres choses. Améliorer, peaufiner, voilà, trouver des solutions qui vont mieux vous aller. Et pouvoir trouver votre équilibre, hein, donner, recevoir, être vraiment dans la stabilité, dans l'échange. Vous avez beaucoup de choses à faire aussi au mois de novembre. Hein. Donc, on vous dit que vous allez être un peu partout. Et c'est peut-être pour ça que vous avez besoin aussi de, j'allais dire, de douceur, de vous retrouver cocooning, materné, d'être réconforté. Parce que ça va peut-être vous faire votre bulle de repos, de pause en étant voilà, vraiment dans ce cercle familial. On vous parle d'avoir la conduite divine. Cherchez un sens à votre vie. Envisagez une approche différente. Entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse.
Alors, il y a deux choses dans ça. On retrouve encore cette notion de s'entourer d'amis, de ce côté de réconfortant, d'être accompagné. Et on retrouve aussi la notion de voir les choses autrement, donc d'aller chercher un projet qui va améliorer les choses, de faire les choses différemment dans le futur. Hein? Donc vous êtes en créativité, en création, et de chercher un sens à ce que vous faites. Mais on vous parle aussi du soleil. Voilà, vous avez la joie hein, avec vous. Hein? Donc c'est quand même des projets positifs. La vie est merveilleuse. Épanouissez-vous grâce aux pensées positives. Des idées qui conduisent au succès. Donc on voit bien, hein, c'est positif, hein, vous êtes dans le bon. Tout ce que vous allez mettre en œuvre là pour améliorer les choses, c'est vraiment quelque chose qui va vous apporter le succès, la réussite. Donc vous êtes dans un projet qui vous amène de la joie, de la légèreté. N'oubliez pas quand même de demander, voilà, conseil, d'aller vers des personnes qui vont pouvoir vous amener de la sagesse, des conseils vraiment. Bien donné, bien, j'allais dire bien ciblé, qui vont vous aider. Waouh, on vous parle du 9 de Raphaël. Donc avec le 9 de Raphaël, c'est vraiment faites un vœu, vos rêves deviennent réalité, une période heureuse de votre vie. Voilà, donc vous êtes vraiment dans la joie, la réussite. Alors, je vais mettre ça comme ça, parce que comme je me suis mise à l'envers, du coup. Voilà, donc vous êtes quand même dans la joie, la réussite. C'est vraiment pour vous. Important, ça va être un beau mois de novembre où vous allez être bien accompagné avec l'amour, l'amour des vôtres, l'amour de votre entourage, la réussite dans vos projets. Vous sentez qu'il y a le vent qui tourne. Voilà, on me parle qu'il y a un changement quand même qui s'opère. Et vous avez la Dame de Michael. Vous savez exactement quoi faire. Mettez votre expérience à profit. Focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur votre histoire d'amour. Voilà, mettez vraiment à profit vos projets. Voilà, mettez en route. N'hésitez pas de lancer votre créativité pour pouvoir faire quelque chose de sympa. Vraiment, il y a quelque chose vraiment qui va ressortir de ça. Vous avez la tête sur les épaules, hein. Vous savez où vous allez. Justement, ça fonctionne pas comme ça. Je vais mettre en route ça. Comment je pourrais faire? Vous allez chercher, vous prenez les bons conseils, les outils qu'il faut, vous mettez en route justement parce que vous êtes bien sur votre socle, vous savez exactement où vous allez et pour améliorer les choses. Bon, ben c'est chouette. Alors, on va juste voir sur quoi vous devez lâcher prise. Merci les guides pour les Verseaux au mois de novembre. Sur quoi ils doivent lâcher prise en novembre? Et on va prendre celle-ci. Et oui, voilà, on vous dit bien d'accepter de recevoir du soutien et de l'amour. Voilà, on voit que la famille est importante, les amis sont importants, le soutien, l'amour. Hein. Au mois de novembre, c'est ce qui ressort. Vous n'êtes pas tout seul, vous êtes bien, bien accompagné. Laissez l'amour et le soutien des autres se manifester plutôt que d'essayer de tout porter sur vos épaules. Cela pourrait faire baisser la pression et vous enrichir dans le même temps. Donc voilà, profitez, hein, de votre entourage. Ne soyez pas seul. Vous avez besoin, vous savez ce qu'il y a à faire, mais c'est bien d'être bien accompagné, de se sentir épaulé. Ok? Donc vous avez besoin de soutien. Ok. Bon, ben on va voir avec les huiles essentielles. Donc merci les guides pour les Verseaux, pour novembre, l'huile essentielle. Essentiel pour les Verseaux, novembre. Alors, on vous parle de la bergamote. Je prends conscience de tout le travail merveilleux qu'il m'est donné d'accomplir. Je remercie mon être divin de rayonner en moi et sur mon entourage. Vous voyez, l'entourage revient bien, donc c'est vraiment l'huile essentielle qu'il vous faut. Je reconnais et j'active positivement tous mes projets, effectivement, qui sont en création là. Chaque jour, je me fortifie dans la grâce et le remerciement. Les mots guérisseurs, c'est j'avance dans la paix de l'esprit et je m'unis inconditionnellement à la sagesse lumineuse de mon guide intérieur. Bergamote. Je ne vais pas en tirer, des fois j'en tire deux, mais là je trouve que celle-ci, elle est tellement en concordance avec votre tirage qu'elle se suffit à elle-même.
Donc, soutien pour vous, ok? Entourage, amour, vraiment, et vraiment, vous êtes dans les projets positifs. Donc, allez-y, voilà, trouvez votre équilibre. Attention avec les huiles essentielles, toujours pas de... Voilà, s'il y a des contre-indications, je le précise à chaque fois. Et faites vraiment à votre ressenti, si vous le ressentez olfactivement, mélangez avec des huiles, voilà, sur les chakras, sur les poignets, dans les mains, enfin, vraiment faites-vous confiance, là où ça vibre. Mais écoutez, chers amis Verseau, vous allez avoir un mois de novembre avec plein de belles choses à mettre en route, à élaborer. Donc, ben, je vous souhaite beaucoup de joie dans cette élaboration de nouveaux projets. Je vous dis à très bientôt.